Aloha, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ici à Hawaï et plus particulièrement sur la petite île de Maui. C'est ici que commence mon voyage. Hawaï, c'est le 50e état des États-Unis d'Amérique, mais c'est surtout un archipel de 8 îles principales et d'une centaine d'îlots qui composent une mosaïque de cultures unique au monde avec des influences polynésiennes, américaines, européennes et asiatiques. Et c'est ce mélange singulier dans un cadre naturel exceptionnel que je vais découvrir avec vous aujourd'hui d'île en île. Vous êtes donc tous les bienvenus dans vos nouvelles échappées belles à Hawaï. Woo! L'archipel d'Hawaï, c'est un paradis pour les amoureux. Les amoureux du grand bleu et des grands espaces. Entre les fastes d'Honolulu et l'éclat des fonds marins, ce petit bijou de l'océan Pacifique ne vous laissera pas indifférent. Vous risquez, comme Georges et Franck, de ne plus vouloir partir. C'est formidable, moi j'adore ça. J'ai l'impression d'être en vacances toute l'année. En tout cas, moi j'ai passé une véritable lune de miel avec ces îles du bout du monde. On est bien là. De la mer jusqu'au ciel, en passant par les stars locales. Allez, c'est l'heure du show. J'ai encore des étoiles plein les yeux. Oui, voilà. Nous voilà. Aloha. Aloha. Bienvenue à Maui. Merci. Bienvenue. C'est cool. T'as fait bon voyage? Ouais, je sais pas si je réalise trop vraiment où je suis encore, mais... C'est pour ça que quand t'as donné rendez-vous ici, toi, à Paya Bay, il y a plein de monde dans l'eau, il manque plus que nous. Regarde combien il y a de surf sur la plage. Donc on est trois, donc... Un chacun. C'est parti. Allez. Aujourd'hui, c'est vraiment physique. Hein. Comment t'expliques que les vagues soient aussi fortes et aussi grandes? Le fond remonte très très vite. Il y a un volume d'eau tellement énorme qui vient du large que ça te fait une compression et en fait, ça te crée des vagues instantanément. T'as réussi à te lever? Une fois. Ah, c'est moi aussi, une fois. Il y a d'autres aventures qui t'attendent. Hein. C'est pas fini. Faut être sportif, hein, ici. Ouais, j'ai vu. Là, c'est bon pour le surf aujourd'hui. Et Maui est très différente des autres îles d'Hawaï. Ouais, elle est différente pour le vent en fait. Et toi, quand t'es venu pour la première fois il y a 15 ans, t'es venu pour ça, pour ces conditions climatiques? Ouais, c'était pour le windsurf. Tout windsurfer qui se respecte va venir une fois à Maui. C'est la mecque du windsurf, c'est la mecque du sport. Et toi, t'es pas venu pour le vent? Non, moi je suis venu pour Francky. Voilà. C'est un peu différent. Toi, elle m'a fait confiance, différent. Elle est venue ici et puis. Il m'a appris windsurf. Ouais. Donc je sais en faire. Bon. Bon. Hop. Merci. Saute. Wouhouhouhou. Hey, c'est incroyable. C'est surtout la perspective qui est dingue. Alors on sent l'énergie. Ouais, là on a plein dedans. On sent l'énergie. C'est sûr qu'elles peuvent pas... Moi, je suis sûr de rien. Quoi, il y a des cailloux au fond de l'eau là? Tu peux en prendre un sur toi en fait, comme ça? Ouais. Tu peux rester au fond de l'eau assis. On va te faire là, un petit entraînement. Mais ça, c'est un entraînement hawaïen? Oui, en fait, il y a beaucoup de gens ici qui courent en fait avec un caillou sous l'eau. Oh non!
Hawaï, le 50e état des États-Unis, est aussi l'un des plus touristiques. Chaque année, l'archipel attire plus de 8 millions de visiteurs. Au cœur d'Honolulu, la capitale, Waikiki Beach est un passage obligé. On vient s'y initier aux activités nautiques et profiter du soleil. Demain, je veux vraiment faire du paddle. C'est super de se balader le long de Waikiki Beach. Qu'est-ce que tu voudrais faire demain, ma chérie? J'adorerais faire du paddle. Ah ouais? J'adorerais ça. Tu voudrais faire du catamaran? Oui, ce serait génial. Joël et Andrea arrivent tout juste de Floride. Plus qu'un voyage, Honolulu est pour eux un véritable pèlerinage. C'est magique, presque spirituel pour un Américain de venir ici et découvrir l'âme et l'atmosphère d'Hawaï. Quand j'étais enfant, je regardais Hawaï, Police d'État et Magnum. Ces séries ont été filmées ici, sur Oahu. C'est un rêve devenu réalité de venir ici. Notre mariage va être incroyable. Et je n'arrive pas à croire que tu vas devenir ma femme. C'est génial. Pour donner du relief à leurs rêves, Joël et Andrea ont décidé de s'unir sous le ciel d'Hawaï. L'archipel serait propice aux histoires d'amour. 25 000 mariages sont célébrés ici chaque année. Et pour accueillir ces amoureux, l'île a ses cupidons. On va leur faire un cœur magnifique. Le fiancé se tiendra ici et la mariée va marcher vers lui. Il faut que ce soit plein de couleurs et magnifique. Jacqueline est wedding planeuse. Chaque année, elle marie plus de 300 couples. Son secret, faire confiance à la beauté de son île. On voudrait qu'ils puissent emporter un peu d'Hawaï avec eux. Regardez cet endroit. Il est entouré d'hectares et d'hectares de forêts. C'est une terre sacrée pour les Hawaïens. Et c'est fou. On est en 2016 et il n'y a toujours personne ici. C'est magique. Un lieu aux vertus magiques, une ambiance très hawaïenne. T'es magnifique. Je crois que je vais pleurer. Tout va bien, tu es superbe. Je veux t'embrasser. Tu es resplendissante. Joël et Andrea sont sous le charme. Nous avons tout ce que l'on peut souhaiter pour une cérémonie parfaite. On a un couple magnifique, de la super musique. Il y a tellement d'amour ici. Tenez la main de votre magnifique fiancé. Oui, bien sûr. Voilà, c'est parfait. Le mariage est officiel. Mais pour ajouter une touche locale à la cérémonie, Jacqueline a réservé au couple une surprise. Joël, donnez-moi vos mains. Vous allez dire en hawaïen... Frottez-vous le nez, c'est le honi. L'amour, c'est notre langue à Hawaï. C'est ce à quoi nous aspirons tous. Les gens le sentent tout de suite en descendant de l'avion. Ils nous disent, les vibrations sont tellement différentes ici. L'air est rempli d'aloha et d'amour. L'année prochaine, Joël et Andrea reviendront sûrement sur cette plage pour revoir leur île de l'amour. Salut Franck. Aloha. Ça va? Ouais, toi. Quoi ça? Comment ça s'appelle ce signe? C'est le Shaka. Le Shaka, c'est quoi? Écoute, c'est la bienvenue. C'est le signe hawaïen pour dire bienvenue, aloha. Ouais, je pensais que tu disais ça tout le temps. Tout quoi. Est cool. Ouais. Bah, on fait presque tout le temps parce qu'on est tout le temps content, donc toi. Ouais. On en prend combien? Écoute, moi j'en prends deux. Bien. Ah, ouais, ils ont l'air bons. 300 au beurre. Waouh. Ils sont encore chauds. Merci, merci. Maui vit du tourisme maintenant, mais avant c'était le centre d'Hawaï, c'était là où il y avait la capitale avant Honolulu.
Pourquoi c'était un centre si important ? Pour les baleines, en fait. Tous les hivers, en fait, il y a des milliers de baleines qui arrivent dans l'île. Et au début du siècle, en fait, elles étaient chassées. Donc, heureusement, aujourd'hui, elles sont protégées. Et en fait, le port, maintenant, est un port de tourisme. Et donc, on peut aller voir les baleines ? Et tu peux aller voir les baleines. J'ai un ami, Eric, en fait, qui a un bateau et qui peut nous emmener facilement les voir. Ça peut être vraiment cool de faire ça aujourd'hui. Raphaël. Yeah, Raphaël, c'est bonjour, capitaine. Merci. La première personne qui voit la première baleine se fait payer l'apéro ce soir. Hein. Ok. Je pense que Eric a plus l'habitude que nous. Il y a des chances. Oh, regarde, il y a un petit là-bas. C'est sûrement un bébé. Regarde, juste là, ils viennent juste droit sur nous là. T'as gagné. Apéro, Mai Tai, merci. Il essaie de faire des petits sauts et il y a la mère. Elle essaie de lui apprendre des trucs. C'est l'école des baleines. Alors, il y a une autre femelle là-bas. Et il y a au moins deux mâles qui se battent pour elle. C'est quelle espèce de baleine, celle qu'on voit ? Ce sont des baleines à bosse. Elles ne vivent pas ici, elles viennent juste ici à cette période de l'année. C'est une zone calme et protégée. Et c'est très loin de leur pire ennemi, les orques. Donc ils viennent ici pour avoir des bébés, mais aussi pour en faire. Regarde, regarde ! Je crois qu'il a essayé de le frapper avec sa queue. C'est pour lui dire « dégage ». C'est la seule période dans l'année où elles s'accouplent, donc elles prennent ça sérieusement. Alors si le mâle pense avoir une chance, il s'y accroche. C'est un peu comme une lune de miel ici. Oui, comme une lune de miel. En fait, ils viennent à Hawaï pour la même raison que beaucoup de gars comme vous. Waouh, super saut! Superbe la queue. Un autre arrive. Non mais c'est... Un autre encore. Elle passe sous le bateau là. Sans rigoler, c'est la première fois que je vois des baleines aussi proches. Ah oui, c'est très surprenant, hein. On est minuscule par rapport à elles. C'était cool. Je fais ça depuis plus de 10 ans, mais je ne m'en lasse pas. Avant, je vendais des assurances pour une société. C'était un boulot pourri. Ça, c'est un super boulot. Allez, chose promise, chose due. À consommer avec modération. Merci beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est des bières longboard. C'est des bières de surfeurs. Merci pour la balade. Merci pour la balade, merci. Merci pour la balade. Et aux baleines. Franck, toi, tu travaillais dans un bureau dans l'aéronautique. Mmh. Toi, dans les assurances. Vous êtes retrouvé à Maui. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher et qu'est-ce que vous avez trouvé ici ? En fait, le monde entier vient ici en vacances et j'ai la chance d'habiter là. Donc en fait, j'ai l'impression d'être en vacances toute l'année. On est dans l'eau tout le temps, on surfe tous les jours et on a le temps de s'occuper de soi. Et c'est important. Et c'est vrai, quand je me rappelle de la vie que j'avais avant, on courait toujours après voilà, la plus belle voiture, quelque chose de futile en fait. Parce qu'on avait besoin de s'échapper de ce boulot qui était intense. C'est plus un équilibre avec soi-même ici en fait. En fait, Maui, ouais. C'est le bon endroit pour refaire sa vie. Mais j'ai pas envie qu'il y ait trop de monde quand même dans l'île. Je te jure, c'est un secret, ça restera entre nous. Bon, ça marche. Promis. Merci beaucoup, merci. Francky. Merci, Eric. C'est cool. Merci. La côte nord, sur l'île d'Oahu. Une côte battue par la houle du Pacifique. Pour s'aventurer dans cet univers hostile,
mieux vaut avoir grandi avec les éléments. Je vis sur la côte nord depuis plus de 40 ans maintenant. Je m'y sens super bien, je sais exactement où aller et où les conditions seront bonnes. Tu vois cette vague là-bas, elle s'apprête à faire un tube. Regarde ça, elle est magnifique. Tu vois, chaque jour est différent. C'est ça qui est amusant. On ne sait pas ce que l'on va trouver, on part à la chasse. Je ressens ce que peut ressentir un surfeur, mais moi je n'ai pas de planche, je suis juste là pour prendre des photos, nager avec mes palmes et prendre des clichés des tubes. Les monstres du Pacifique ont toujours fasciné Clark. Voilà 10 ans qu'il les photographie sous toutes leurs coutures. Son point de vue préféré, le cœur des vagues. Avec Clark, la séance photo tient du combat. Pendant 2 heures, il lutte face à des murs d'eau pouvant atteindre 3 mètres. Le but ? Capter le moment où le monstre déchaîne toute sa puissance. Ça me procure beaucoup d'adrénaline. Je me demande à chaque fois s'il faut que je m'échappe en passant sous la vague ou si je dois tenter de prendre la photo au risque de me faire embarquer par la vague. Il se passe beaucoup de choses dans mon esprit, mais ce qu'il faut, c'est que je sois à l'endroit parfait pour faire la photo parfaite. Le risque paye. Les photos de Clark font aujourd'hui le tour du monde. Mais plongé dans son élément, le photographe reste un enfant de la côte nord. J'en ai eu de belles. C'est super. On a de super brushes. J'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Sans mère nature et sans l'océan, je ne pourrais pas faire ce métier. Tout ça, c'est une histoire de passion et d'amour pour l'océan. Être là et capturer toute cette beauté, ça n'a pas de prix. Pour les Hawaïens, l'océan est une source d'inspiration. Et sur les plages de l'île, on rencontre parfois d'étonnants baigneurs. Aujourd'hui, je pars à la chasse aux trésors. Mais je pense que mes trésors ne ressemblent pas à ceux des autres. J'enfile juste un peu de protection contre le récif. Avec ça, je vais pouvoir me tenir sans que les courants m'emportent. Les courants du Pacifique, Marc commence à bien les connaître. À 65 ans, cet ancien sauveteur ne passe pas un jour sans se mettre à l'eau. C'est en parcourant les fonds de son île qu'il a eu l'idée de démarrer une singulière collection. Un aileron de surf. Il vient du dessous d'une planche. J'en ai beaucoup des comme ça. Celui-ci a dû rester sous l'eau pendant très longtemps. Les trésors de Marc, des objets laissés à l'océan par les surfeurs accidentés ou les touristes maladroits. Lunettes, cartes d'hôtel ou encore montres, on trouve de tout sur les récifs. Vous savez quelle heure il est ? L'heure d'acheter une nouvelle montre. En 10 ans, Marc a accumulé des milliers d'objets. Et chez lui, il prend le temps de leur redonner vie. Je joue avec mes trésors. Je les remets en ordre. J'en ai tellement. Celles-ci n'ont plus de verre. Je les vois bien ici, au milieu. Je passe des heures et des heures à composer mes tableaux, à voir ce qui est joli. Mais pour Marc, l'esthétique n'est pas tout. Ses œuvres racontent à leur manière une histoire de l'océan. Voilà encore une pièce de bois. Cette pièce, c'est ce qu'on appelle un boîtier d'aileron. Il était intégré à la planche. La personne a percuté une pierre tellement fort que même cette pièce s'est détachée de la planche. Regardez ce que Mère Nature a fait de ces objets. Elle y a apposé sa marque. Tout ça,
Ça nous rappelle le passage du temps. L'océan coule dans les veines de tant d'Hawaïens. Ça nous a donné du travail, de la nourriture, des loisirs, des instants de solitude. C'est un moyen de se relaxer, de faire de l'exercice aussi et de se revigorer. J'ai tellement de chance d'avoir vécu sur la côte toute ma vie. Ça m'a donné tellement de plaisir et de joie. Aujourd'hui, je partage ça. Perdus au milieu du Pacifique, les Hawaïens n'ont bien souvent qu'un horizon, l'océan. Comme ça, mais non, mais par écoute, mais ça, c'est la vie des chefs. Hein. Et on est où exactement? On est à la jetée 38, le marché aux poissons, la criée. Et c'est une des seules trois criées des États-Unis. Oui. Il n'y a que trois criées. Tout le reste, c'est des marchés. Et tu t'approvisionnes ici pour ton restaurant? Oui, ça fait 27 ans que je suis au Honolulu. Et c'est le meilleur poisson? Ah, c'est le meilleur poisson du monde. Dépêche-toi parce qu'ils ont sonné la cloche. Ça veut dire que ça commence à marchander? Ça commence déjà. Oh là là. Ça, c'est les meilleurs thons, la meilleure qualité qu'on peut trouver à Hawaï, même dans le Pacifique. Peut-être même dans le monde. Les thons hawaïens sont très appréciés. Donc en fait, il y a le vendeur au milieu et il y a tous les acheteurs autour. Ouais. 4, 9, 8, 7, 4, 4, 10, 20, 30, c'est démentiel, c'est génial, ça va à une vitesse incroyable. Dès que c'est acheté, ça disparaît, c'est énorme. Je prends celui-là et puis il m'en faut un autre comme ça. Ça c'est quoi comme poisson? C'est un... Alors ça c'est le onaga. Ah oui, c'est du vivano. C'est du vivano à la colombe. Bon, il est beau mais tu vas le sublimer dans ta cuisine. Ah, je vais le rendre encore plus beau. On va être sur la côte aux États-Unis, là, ouais. Honolulu, c'est une ville cosmopolite posée sur une plage exotique. Au milieu du Pacifique, c'est ce que j'adore ici. C'est les tropiques. Si tu fais 10 km, tu es au milieu de rien, dans la forêt vierge, exactement. Et c'est les buildings, c'est la grande ville, c'est formidable. Moi, j'adore ça. Ah, ça y est. Diamond Head. Le volcan. Depuis que je suis arrivé, j'ai plutôt eu l'impression d'être dans des paysages horizontaux. Tu sais, où vraiment il y a la mer, c'est infini, il y a les montagnes. Ouais. Et là, je me retrouve dans la verticalité américaine. Ça, c'est Waikiki, c'est les touristes. Et là, on va aller, c'est le coin pour les locaux. Oui, c'est une plage où il y a une majorité de locaux. Ouais. J'aime bien aller nager là. Ouais. C'est formidable. Il faut faire attention entre local et hawaïen. C'est quoi la différence entre local et hawaïen? C'est énorme. C'est énorme. Ah ben, c'est quoi? Hawaïen, c'est les Polynésiens qui sont arrivés de Tahiti, des Marquises, et qui sont arrivés ici et qui sont restés. Et, si tu veux, number one, pur hawaïen, il n'y a presque plus personne.
Là, on part des buildings et on retrouve les maisons individuelles. Exactement. Ça, ça peut valoir combien des maisons dans ce secteur-là? La moins chère, à 5 millions, et ça peut aller jusqu'à 30 facile. Ouais. Ça doit être le prix au mètre carré le plus cher du Pacifique, c'est sûr, et un des plus chers au monde. Un des plus chers au monde, je pense. Les surfeurs sont au rendez-vous, Georges. Tu sais, c'est la fameuse vague de Waikiki qui est pas trop grande, régulière. Et qui n'en finit plus. Ouais. Là-dessus, tu t'amuses comme un fou, là. À Honolulu, on accueille les visiteurs en plusieurs langues. Hi, welcome to Honolulu. Sinbulong, chào đón quý vị tới Honolulu. Honolulu, ocean water, 환영드립니다. Welcome to Honolulu. Polynésienne, asiatique, américaine, la capitale de l'archipel se nourrit de toutes ses influences. Alors, parcourir ses rues le temps d'une journée, c'est faire le tour du Pacifique en 24 heures. Vous viendrez me sauver si je tombe. À Honolulu, tout commence à Waikiki Beach. La plage mythique qui a façonné sa légende. Les légendes ici, ce sont les Beach Boys, ces Polynésiens qui ont popularisé le surf au début du siècle. Billy est l'un d'entre eux. À 78 ans, il est l'une des mémoires de la plage. Quand j'étais jeune, il n'y avait rien ici, seulement trois hôtels. Quand vous aviez une planche à l'époque, vous étiez l'ami de tout le monde. Votre planche était à tout le monde. Il n'y avait aucun souci. Et aujourd'hui, après 60 ans passés à parcourir la plage, Billy a toujours beaucoup d'amis. Tout va bien? Est-ce que l'on vous traite bien? On fait vraiment attention à ce que les gens se sentent bien ici. Ce qu'on veut avant tout, c'est que les gens soient contents, parce qu'après tout, ils sont notre raison de vivre. S'ils ne sont pas contents, on n'est pas content. Les visiteurs peuvent être rassurés. Billy et les Beach Boys veillent sur l'esprit de Honolulu. Mais à quelques kilomètres de là, dans les faubourgs de la ville, c'est une spécialité venue d'Orient qui attire les plus gourmands. Sur l'île, Matsumoto est une institution. On y vend des glaces depuis les années 50. Strawberry, banana. Fraise, banane et ananas. Thank you, you got it? Tu la tiens bien, hein? Thank you. Ça vient du Japon, c'est de la glace pilée. Mais c'est une spécialité ici à Hawaï. C'est très populaire. Et en plus, ici, nous avons beaucoup plus de parfums à déguster. Ça, c'est notre glace arc-en-ciel. C'est un mélange de parfums. Le rouge, c'est la fraise, le jaune, du citron, et le bleu, de l'ananas. Ça fait comme un arc-en-ciel. Les chèvres Ice de Stanley ont été importées par les travailleurs japonais venus cultiver les champs de l'archipel au début du siècle dernier. À Hawaï, 40% de la population est d'origine nippone. Et comme les Matsumoto, certaines familles ont su profiter du rêve américain. Je veux vous montrer quelques vieilles photos de famille que j'ai ici. Ça, c'est mon père. Voilà ma mère. Et là, c'est moi. Et ça, ce sont les photos du magasin. Il était comme ça avant. Mon père a toujours voulu avoir son propre magasin. Quand je regarde ces photos, je ne peux pas croire que le magasin allait devenir si populaire. C'est incroyable. Stanley tient sa success story. Un scénario hollywoodien comme on les aime à Honolulu. Dans les années 60, la ville a été popularisée par les stars américaines. Et à la nuit tombée, un homme s'apprête à faire revivre la légende. Salut tout le monde!
Johnny est chanteur. Chaque soir, cet Hawaïen se glisse dans la peau d'un artiste sans qui Honolulu n'aurait pas le même visage. Ta-da ! Le grand Elvis Presley. Pour l'ouverture, j'utilise cette chemise. Elle a été utilisée dans le film Paradise Hawaiian Style. Je crois qu'Elvis a popularisé Hawaï dans le monde entier à travers ses films. Lorsqu'il fait un film et qu'il est à la plage, avec ses chemises hawaïennes et qu'il participe à des fêtes traditionnelles, il y a tellement de fans qui scrutent ses moindres mouvements, ils voient qu'il adore Hawaï, alors ils veulent tous y aller. Allez, c'est l'heure du show. Ce soir sur scène, Johnny va faire revivre aux spectateurs un moment d'histoire. En 1973, c'est à Honolulu que The King donna le premier concert retransmis en Mondovision. Et ce qui n'a pas changé, c'est qu'Elvis a toujours autant de fans. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Si seulement c'était lui. Il est joli garçon et vraiment bien bâti. Ça, c'est l'esprit d'Elvis, c'est l'amour. Et sa musique est toujours vivante pour tous les gens de l'île aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour ce joli sourire. L'esprit d'Elvis hante toujours les nuits d'Honolulu. Une ville façonnée par ses habitants. Un carrefour au cœur du Pacifique. Centre-ville d'Honolulu. Oui. On va à la campagne. On va à la campagne, on va à la ferme. Et tu vas voir une des fermes. Il faut du quoi? Oh, il faut du cresson. D'accord. Une ferme au milieu des buildings. Oui. Là, c'est complètement fabuleux, ça. Je me trompe pas, il faut beaucoup d'humidité hein, pour le cresson, c'est ça? Ah, il faut de l'eau jusqu'au genou. Tous les produits que tu utilises dans ton restaurant, comme le poisson ou le cresson, sont locaux? L'île elle-même vit beaucoup d'importations. Moi, je travaille pratiquement qu'avec des produits locaux. C'est fort, ah ouais, très poivré. Ah ouais, c'est très consommé. Ah oui, les Asiatiques sont fous de wasakras. Ça fait partie de l'alimentation quotidienne. Et on va où maintenant, Georges? Alors, on va aller au restaurant. Ouais. On va commencer à préparer les plats pour le service de ce soir. Les poissons pour le service de ce soir, oui. Alors, ces grands Vivano, ils vont passer un sale quart d'heure, mais pour notre plus grand plaisir. Oui. Alors ça, c'est un couteau que j'ai découvert ici. Ça, c'est un couteau japonais? Oui, japonais, c'est un cimeterien. Ouais. Donc, je coupe ici, je le pré-marque comme ça. Je vais te laisser finir. Tu me mets la pression, c'est quand même un poisson qui coûte une fortune. Tu restes contre l'arête, vas-y. Ouais. Et tu te coupes pas. Voilà, bravo. Hein. Vas-y, coupe. Et voilà. Et là, la classe. Et là hop, je m'essuie un tout petit peu les mains sur ma serviette. Et voilà. Jonathan, if you want to steam that, yeah. Température, très, là on est à 400 degrés. Fahrenheit. Ça c'est très américain, c'est Star Wars dans les cuisines. De l'huile de pépins de raisin, oui. Mélangé à l'huile de sésame.
Bon, ben écoute, je te remercie de ton aide. Ouais. Mais je pense que tu seras plus utile en salle qu'en cuisine. Non, non insulte, non offense. Non, mais c'est bien, si tu veux, ce soir je fais le service. Voilà, ce soir tu vas servir les clients. D'accord. Bon, je vous laisse travailler. À tout à l'heure. Thank you. Yeah. See you later. Merci. Hi. Hi, I'm Roy. I'm Raphael. Garde ta main comme ça. Vas-y. Oublie ce qui t'entoure. Ce que tu vas faire, c'est... Tu continues et tu tournes de ce côté. Dans l'autre sens, mais vite. Et par là. And that way. Ready? One, two, three, four. On est bien là. I like the black. Merci. Thank you. Yeah. Tu t'es amusé? Ouais, c'est super. C'est le plus important, avoir le sourire. T'es en retard. Ouais, excuse-moi, Oula, pardon. Eh oui. T'as vu ma cravate? Allez, allez, ouais, elle est belle, ta cravate. Ouais. Allez, on y va, là. Ouais, excuse-moi. On a du monde ce soir. Ouais, ok. Alors, voilà. Ça, c'est le homard. Ouais. Georges, t'as pas besoin de testeur, de goûteur avant d'envoyer les plats, c'est bon? Non? Tu me dis, hein. Je suis là. C'est celui qu'on a acheté ce matin. C'est celui qu'on a acheté ce matin à la criée, oui. Ça va, c'est plus chaud. C'est moins chaud. Merci. Bonne gueule. Je veux te dire quelque chose, Georges. Je crois que j'ai posé ma démission. C'est un enfer de faire un service avec des plats aussi bons qu'on peut pas goûter. C'est terrible. Je rends mon tablier. Honolulu, 7h du matin. Comme tous les jours, cet homme est confronté à un dilemme. Comment je choisis? En fait, ça dépend de mon humeur. Parfois, je me sens un peu fou, comme celle-ci. Elle date des années 70. Parfois, je me sens un peu plus subtil, comme celle-ci. J'ai celle-là des années 60 que j'adore. Je crois que je vais mettre celle-là aujourd'hui. Choisir la bonne chemise hawaïenne. Ok, let's go. Dans l'archipel, la question est très sérieuse. Mike est cadre dans une grande entreprise. Et aujourd'hui, il ne prend pas la route de la plage. Tout le monde s'habille comme ça. C'est notre costume de travail. On met un pantalon décontracté et une chemise hawaïenne. Ici, le mode de vie est tellement simple et décontracté. Ici, on a une plaisanterie. Quand quelqu'un porte un costume cravate, c'est qu'il va à un enterrement ou qu'il a des problèmes avec la justice et qu'il doit passer en jugement. Et il ne faut jamais porter de cravate au travail. Sinon, les gens vous regarderont bizarrement. À Hawaï, la chemisette colorée serait donc un uniforme. Dans les rues du quartier d'affaires, c'est un véritable défilé. Là-bas, vous avez des gens qui traversent la rue, tous portent des chemises. Il y en a dans tous les coins. Ici, on a un imprimé ananas. Dale est auteur. Un expert en chemise à fleurs. Et pour lui, l'imprimé n'a plus de secret.
Il y a un monsieur sur le passage piéton là-bas qui porte des petits motifs floraux. C'est très typique des architectes, des businessmen du centre-ville. J'adore venir ici dans le centre-ville d'Honolulu pour voir ce que les businessmen portent. C'est pour avoir une idée de leur style et de ce qui est populaire par ici aujourd'hui. Bonjour Monsieur Dawson, ça va bien? Mets ta chemise hawaïenne. Dale est incollable sur le style de ses contemporains, mais il est aussi collectionneur. Et chez lui, l'homme conserve quelques trésors. Celle-là, elle est de la fin des années 50. Celle-là aussi, elle est des années 50. Elle est en soie. Ces modèles de collection racontent la riche histoire de ce symbole hawaïen. Au début des années 30, il y avait des centaines de tailleurs dans le centre-ville d'Honolulu. Des tailleurs japonais, chinois. Ils fabriquaient principalement pour les femmes. Il y a plein d'histoires différentes qui racontent comment les premières chemises hawaïennes ont été fabriquées. Et les premières ont été fabriquées avec des imprimés japonais. Puis on a commencé à voir, dans les années 30, des imprimés avec des danseurs de hula, des vues de Diamond Head. Elle raconte l'évolution d'Hawaï. Sur beaucoup de ces chemises, on voit un ou deux hôtels. Maintenant, il y en a des centaines. Donc, sur les 60 dernières années, on voit très bien comment les choses ont évolué. Les chemises hawaïennes ne sont pas qu'une affaire de collectionneurs. Sur l'archipel, on compte une dizaine de créateurs. Zig Zane est un orfèvre en la matière. Un artiste de la chemisette. J'adore faire ça. J'adore créer. C'est comme ouvrir une porte sur la nature et donner en quelque sorte les clés aux gens pour rentrer en relation avec l'énergie de la forêt. Car c'est dans la nature sauvage de son île que Zig Zane aime puiser son inspiration. Au cœur de la forêt, il cherche les motifs qui orneront ses prochains modèles. Je me sens vraiment inspiré. J'adore cet arbre. Il a une telle symétrie. C'est tellement beau. Parce que dans ses bourgeons, on ressent toute l'énergie de la naissance, de l'éclosion. Il n'est pas effrayé. Regardez ça. Quand je viens dans la forêt, je veux partager ces choses qui sont très importantes pour notre culture. Je veille à ce que les gens comprennent et respectent nos arbres et qu'ils prennent conscience que c'est ce qui fait que notre île est si différente, si unique dans le monde. Les chemises de Zig feront peut-être le tour du monde, diffusant avec elles la beauté des paysages hawaïens. Salut Patrick. Hey. Moi. Ça va? How are you? Ça va? C'est quand même un drôle de spot pour commencer une plongée sous-marine. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici, devant Pearl Harbor? Je voulais qu'on se retrouve ici pour t'aider à prendre du recul. C'est bien de plonger et découvrir une épave, mais c'est encore mieux de comprendre pourquoi elle est là. Voilà, l'histoire commence ici. Le 7 décembre 1941, les États-Unis ne sont pas encore rentrés dans la Seconde Guerre mondiale. Et à Pearl Harbor, il va y avoir une attaque qui va changer la face du monde. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? L'attaque japonaise s'est faite en deux vagues. L'une par la vallée ici, et l'autre a fait le tour par là. Pour arriver. Et ensuite, ça a été l'apocalypse. Comme tu le disais, les USA jusqu'à là n'étaient pas impliqués dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais le lendemain de l'attaque, les USA ont déclaré la guerre au Japon.
On a vraiment du mal à imaginer la violence de l'attaque au milieu d'une île paradisiaque comme Hawaï au milieu du Pacifique. Il y a comme un décalage. Oui, le contraste est immense. Si tu regardes la beauté et la sérénité autour de nous, et tu imagines d'énormes explosions et incendies, des gens couraient partout, stupéfaits de ce qu'ils voyaient et vivaient. C'est épouvantable ce qui s'est passé ici. Il reste des épaves de la Seconde Guerre mondiale dans la baie ou autour de Honolulu. Oui, il reste deux bateaux de guerre coulés lors de l'attaque de Pearl Harbor, sur lesquels il est possible de plonger. Aujourd'hui, tu vas plonger avec un ancien Marines, le Major Bart Liker. Et aussi avec un membre actuel de l'armée américaine, capitaine et nageur de combat, Jason McCurkle. Hi. Very nice to meet you. Oula, je suis bien entouré aujourd'hui. Patrick, qu'est-ce qu'on va voir en dessous? On va plonger sur l'épave d'un bateau de la Deuxième Guerre mondiale. Le bateau est un ancien dragueur de mines de la Navy. L'USS Scrimmage. Il a été lancé en 1944 et il a été notamment impliqué dans de nombreuses batailles lors de la guerre des Philippines contre les Japonais. Comment s'est passée ta plongée? Sensationnel. Yeah? Excellent. Oh, yeah. Good. Vraiment. Okay, super, viens ici. Tu as vu des remontas? Avec des petits points blancs. Ça, c'était magique. C'était magique. 20 races. Bon, ok, c'est une bonne journée. Merci. Fabuleux. Vraie plongée dans l'histoire. Les îles d'Hawaï sont pleines de richesses. Comme sur Oahu, cette enceinte d'un autre âge. Une pisciculture conçue par les premiers habitants de l'île. Voilà 10 ans qu'Ilei et son association s'activent pour la remettre à neuf. Entre ses portes, le but est de faire prospérer des espèces d'algues et de poissons locaux. Une manière de mettre en valeur le formidable potentiel naturel de l'île. Ici à Hawaï, on est complètement entouré d'océans. On doit réduire notre dépendance aux importations. Ce qui saute aux yeux lorsque vous venez à Hawaï, c'est tout ce monde qui tente de revenir à la terre, de cultiver sa propre nourriture, d'être autonome. Ça, c'est juste notre petite contribution. Mais on adore utiliser les technologies que nos ancêtres ont inventées il y a 800 ans. C'est un savoir très ancien. L'archipel hawaïen est un sanctuaire. Sur ces îles isolées, 90% des plantes sont des espèces endémiques. Ce patrimoine naturel, quelques locaux souhaitent se le réapproprier. Voilà une des premières plantes qu'on a fait pousser. Je ne me lasserai jamais de cette odeur. Retrouver les odeurs des plantes oubliées, c'est la quête de Rick. Un tiers des espèces de l'île sont en voie de disparition. Il y a 10 ans, il a eu l'idée de créer cette pépinière très locale. Ici reverdissent plus de 1500 espèces natives en danger d'extinction. Et derrière chacune de ces plantes se cache une histoire.
Culturellement, c'est une plante très importante. Hawaï était le seul endroit du Pacifique où l'on tissait ces herbes pour en faire des matelas. Tout ce que l'on fait ici, c'est pour retrouver le vrai Hawaï. Tout autour des îles, les plantes locales ont disparu au profit des espèces invasives. Alors, à quelques kilomètres de sa pépinière, Rick prépare la reconquête. Il faut nettoyer un peu. Il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Il y a juste quelques mauvaises herbes par ici. Aux abords de cette plage, il a replanté une espèce locale. Et aujourd'hui, elle retrouve toute son utilité dans le paysage. L'objectif, en implantant ces espèces natives, c'est d'arrêter le sable qui circule sur la plage pour recréer les dunes. Cela ne permet pas seulement de protéger la côte. Ce projet permettra de préserver toutes les autres espèces natives qui poussent sur la côte. Nous devons repartir de la base, et la base, c'est les plantes. Et si les plantes commencent à croître et à se développer, les Hawaïens eux-mêmes auront une base solide sur laquelle se développer. Grâce à ces trésors verts, les îles d'Hawaï retrouvent des couleurs. Je te dérange pas ? Non ! Tu étais en pleine méditation face à l'océan ? Toi, oui, voilà, c'est ça. On a l'air. Moi, je viens du ciel. Mm-hmm. Je suis arrivé en avion d'Honolulu. Je suis assez impressionné par le relief de Big Island. Il y a combien de volcans ici ? Il y en a cinq, dont un très actif, un actif jusqu'à maintenant. Avec tous ces volcans, cette île peut paraître un tout petit peu hostile. Mm-hmm. Comment ça se fait qu'il y ait le centre d'observation des étoiles le plus puissant, le plus performant au monde ici ? Mais c'est tout à fait grâce au Mauna Kea que tu vois là. Comme il fait 4800 mètres, et bien c'est pour ça qu'on a accès au-dessus pratiquement de l'atmosphère. Tu le verras quand on ira là-bas, on sera au-dessus des nuages. T'as un petit accent si je ne me trompe pas. C'est Martinique, mais après j'ai vécu en Angleterre. Et donc ça m'a fait tout un mélange. Un petit mélange. Bon. Donc tu étais sur ton île en Martinique et tu te retrouves comme ça sur cette île au milieu du Pacifique à Hawaï. Voilà. T'as un petit côté insulaire. J'adore les îles. D'où je viens, il y a le soleil, mais il n'y a pas de télescope. Ouais. Donc les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà. Les télescopes. Ouais. Toi, tu répartis comment ton temps entre l'observation en ville à Hilo et l'observation au sommet en altitude ? Maintenant, j'en fais plus tellement d'observations complètement et maintenant, on les fait plus non plus au télescope, on les fait depuis la base d'Hilo. Mais avant, quand on les faisait sur le télescope, je faisais pratiquement une semaine tous les deux mois parce que le manque d'oxygène, c'est vraiment. Enfin, même s'il y a beaucoup de contraintes, moi, je suis comme un petit garçon avec plein d'étoiles dans les yeux. Je suis vraiment très heureux d'aller au sommet. Ça, il n'y a rien à dire. Si tu vas sur le sommet du Mauna Kea, tu es transporté, c'est comme si tu étais sur Mars. C'est magique d'être là-bas. Je sens qu'on passe des paliers. J'ai besoin de décompresser un tout petit peu. On a combien de mètres là ? 4000. Waouh.
C'est sur cette montagne-là, derrière cette montagne-là, qu'il y a le lac où les Hawaïens vont déposer le cordon ombilical pour avoir un enfant très fort et être béni par la déesse de la montagne. Ah, c'est incroyable. Bienvenue au sommet du Mauna Kea. Cette mer de nuages, il n'y a rien qui dépasse. Ça, on aura un beau ciel. Je ne sais pas si c'est l'altitude ou la vue, mais mon cœur s'emballe là. Allez, on y va. Voilà. Voilà. Oh yes. Oh yeah. Oh, tu vois, on est en train d'ouvrir le dôme. Ils sont en train de faire quoi avec donc, là? Donc, ils sont en train de vérifier que le télescope va marcher proprement pour les observations de la nuit. Donc, ils sont en train de le bouger un peu partout. Il faut savoir que tout la fonctionne. Nuit va être longue. Tu peux pas ne pas tester et puis tu arrives le soir et puis tu vois que ça s'ouvre pas. Quoi. Ouais. Non. Et là, ils sont en train de fermer. Voilà, là, on est en train de fermer pour se préparer pour la nuit. Ouais. Toi, en observant les étoiles, qu'est-ce que tu cherches? La quête, en fait, de tous les astronomes, c'est de trouver une nouvelle planète à conquérir, un nouveau monde. Si l'humanité veut survivre la destruction de la Terre, il faut qu'on quitte à 4,5 milliards d'années. Et c'est ça, c'est ce que les astronomes essaient de savoir. C'est ça ton métier. Voilà. Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est l'heure des carnets de route d'Échappée Belle. Et cette semaine, la réalisatrice Agnieszka Zarek nous emmène pas très loin d'ici, en Nouvelle-Zélande, pour découvrir ce pays qui entre dans la lumière en développant le sport, le vin, le rugby, mais aussi le cinéma. Moi, je vous retrouve juste après, toujours à Hawaï, pour apprendre le hula et participer à une cérémonie traditionnelle hawaïenne. A tout à l'heure. C'est le dernier endroit du globe découvert et habité par l'homme, un coin de paradis de l'océan Pacifique Sud. Deux îles forment la Nouvelle-Zélande. Elles ont la beauté brute et sauvage des territoires longtemps inviolés. Pour moi, la Nouvelle-Zélande est comme une boîte à trésors. La plongée y est extra, le surf est génial. Cette terre farouche est source d'énergie pour les Néo-Zélandais. Mais quel est donc leur secret pour être aussi audacieux et créatif, toujours à la recherche de l'excellence? La mentalité des Néo-Zélandais, c'est ce qu'on ne peut pas acheter, on le fabrique. Comme nous sommes loin du monde, nous devons être plus ingénieux. Je pars à la rencontre du peuple de la Terre du Long Nuage Blanc, à Aotearea en Maori. Je m'enfonce dans le cœur de l'île Nord, appelée aussi île fumante. Direction Rotorua. Rotorua est le berceau de la culture maori. Les premiers habitants du pays, d'origine polynésienne, arrivaient sur l'île en pirogue à partir du 8e siècle. Pour tenter de me rapprocher de l'esprit maori, j'ai rendez-vous avec un artiste. Ma rencontre avec Richie est un voyage au cœur de la mémoire de tout un peuple. Richie? Hi. Bonjour, je suis Agnieszka, ravie de vous rencontrer. Bienvenue à Rotorua. C'est ici que je fais mon moko, c'est mon studio.
Aujourd'hui, je travaille sur un tatouage traditionnel. Lui, c'est mon fils. Il a eu 18 ans il y a quelques semaines. Il va avoir un dessin que nous appelons Piha, sur tout le corps. Traditionnellement, c'est ce que portaient les guerriers lorsqu'ils allaient se battre. Aujourd'hui, les guerriers des temps modernes, comme mon fils, livrent d'autres batailles durant leurs études, leur formation et aussi lorsqu'ils jouent au rugby. Ils puisent leur inspiration dans leurs tatouages, qui leur rappellent leur culture et leur permettent de jouer plus fort, plus dur, et de ne jamais abandonner. Vous avez toujours voulu faire ça ? Ouais. Oui, toute sa vie. Toute sa vie, il en a rêvé. En tout, plus de 24 heures sont nécessaires pour un tatouage complet du corps. On fait l'autre côté. En Nouvelle-Zélande, nous, les Maoris, on veut toujours être les meilleurs. On ne fait jamais les choses à moitié. On les fait pleinement. Lorsqu'on joue au rugby, on joue vraiment. Quoi qu'on fasse, comme le moko, c'est en grand, sur tout le corps. Richie, vous pouvez me proposer quelque chose ? Ce que je peux faire aujourd'hui, déjà asseyez-vous, c'est le moko koa traditionnel. On le réserve aux femmes chefs de clan, celles qui ont du prestige. Samira, vous êtes sûre ? Celui-là ne va pas vous faire mal, c'est juste un tampon. Okay. C'est comment ? Magnifique ! Je suis plus respectable ? Doté de mon moko de respectable guerrière, je pars à la découverte de la ville. C'est ici, à Rotorua, que le nom d'île fumante prend tout son sens. La ville est bâtie sur la ceinture de feu du Pacifique. Un peu partout, je sens une forte odeur de soufre. Des colonnes de vapeur d'eau parsèment le paysage. Je me rapproche des geysers et des sources d'eau chaude et arrive au village Maori, dans les faubourgs de Rotorua. Gamono m'accueille avec chaleur. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est le principe de la vie. Quand deux personnes se rencontrent, le temps s'arrête. Hainoma, ça veut dire bienvenue dans notre village. Le nom complet de notre village est Tewakarewarewatanga Oteope Tawa Awayo. Cela veut dire le rassemblement des guerriers. Pour faire court, on dit Waka. Dans le village, comme vous pouvez le voir, ce sont tous mes neveux et nièces. Ils reviennent toujours, même lorsqu'ils sont partis. Salut les filles! Vous aimez bien l'endroit? C'est le paradis. On a beaucoup de chance d'avoir un endroit comme ça. Vraiment? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? La rivière, les bains, la cuisine en plein air. Regardez si la grand-mère est par là. Les traditions sont importantes pour vous? Oui. Comme quoi? Comme le kapaaka. Elle montre le scintillement des rayons du soleil. Au revoir les filles! Voici notre terrain à nous. Mais le sol est de plus en plus fin ici. C'est pour ça que le terrain est clôturé. Il fait très chaud. Lorsqu'il y a des explosions, pour nous, c'est comme si la terre disait bonjour. Donc cela ne nous effraie pas. On connaît tout le terrain, là où on peut marcher ou pas, et où nous devons faire attention. Il y a toujours des signes de différentes sortes pour nous dire ce qui se passe. Ça peut être des bulles, un léger changement, un jour la couleur de l'eau peut avoir telle couleur, le lendemain une autre. Nous, on sait décrypter ces changements. Les femmes du village utilisent cette chaleur naturelle pour cuisiner des plats à base de légumes et de volailles. Les gens viennent ici avec leurs barquettes. Ils la déposent à l'heure du thé avec des serviettes différentes
pour ne pas se tromper. Et comme ça, personne ne touche au plat de l'autre. Nous utilisons toutes les ressources qui sont ici. La chaleur, l'eau, tout. On utilise tout. C'est notre micro-ondes moderne. Pour un micro-ondes maori, comptez 3 heures de cuisson. Enfin, nous pouvons passer à table en famille. Délicieux. C'est mon premier repas maori. Merci beaucoup. Ainsi rassasié, je peux reprendre la route pour parcourir les 300 km vers ma nouvelle destination, Napier et ses environs, dans la région de Hawke's Bay. Sur mon trajet, très peu de haltes. Les pompes à essence sont rares. Mieux vaut être prudent. Le paysage a changé. La région très ensoleillée de Hawke's Bay est le verger de l'île Nord. Son verger est aussi sa cave. Je m'engage sur les terres du domaine de Craigie Ranch. Créé par un investisseur australien à la fin des années 90, Craigie Ranch a gagné ses lettres de noblesse en une quinzaine d'années seulement. En Nouvelle-Zélande, tout reste encore à faire. C'est comme une page vierge que l'on peut encore noircir à sa guise. Je suis attendue par Michael Banks, directeur commercial, qui rentre d'un séjour de 3 ans dans le vignoble bordelais. Bonjour, enchanté. Il n'y a pas besoin de parler en anglais, je suis français, au moitié français au moins. J'ai grandi en France, donc on peut parler en français. Et vous aimez le vin? Ah, j'adore le vin, c'est pour ça que je travaille ici. Vous allez me montrer? Venez, je vous accompagne. Ici, à Craigie Ranch, nous utilisons vraiment ce qu'on comprend de l'ancien monde, des vins français, mais également de ce qui est tout important de la technologie du nouveau monde. Donc nous avons ces jolies grandes cuves ici qui sont du chêne française. Et donc là, nous avons des grosses cuves de 8000 litres où se fait la fermentation. Ici, en Nouvelle-Zélande, nous voulons produire le meilleur vin possible. C'est très important si nous ne sommes pas contents avec la vendange, si la qualité des raisins n'est pas à la hauteur des vins de Craigie Ranch, ne faisons pas les vins, on ne les produit pas. C'est un défi que nous nous avons donné d'être le meilleur producteur de vin en Nouvelle-Zélande. Donc là, nous avons le Sophia de 2015, donc qui a été assemblé au mois d'octobre dernier. Et là, on est en train de finir sa fermentation ici. C'est quel cépage, ça? Donc là, on est sur 4 cépages. On a du Merlot, du Cabernet Sauvignon et du Petit Verdot également. Alors, le Sophia est un vin qui est classique, plutôt comme un style de Saint-Emilion, si vous voulez. Avec les prochains mois, ce que nous allons voir, c'est qu'il y a une plus intégration avec les tanins, le nouveau de fruits et la couleur également. Donc là, il est toujours tout jeune, mais il commence à montrer sa valeur. Santé. On dit en France. Cheers. Les vendanges approchent, un moment crucial pour chaque domaine. Michael vient se rassurer auprès de Matt, un œnologue qui a fait ses classes auprès des meilleurs sommeliers en Europe et aux États-Unis. Les choses se présentent plutôt bien pour le moment? Oui, oui, ça se passe plutôt pas mal. C'est du cépage Merlot. Le raisin est au stade de maturation. À ce stade, on peut voir le changement progressif de couleur de chaque grappe et aussi vérifier qu'il n'y ait pas trop de raisins sur chaque sarment pour ne pas les alourdir. Nous sommes très satisfaits car quand il y a des taches sur le raisin, il se peut qu'ils pourrissent. Mais on en a très peu des comme ça. Ici, les grappes sont très belles. Ce sont nos premiers pieds de vigne.
Ils ont un potentiel énorme, mais dans 10, 20 années seulement, nous pourrons raconter notre propre histoire et le reste du monde pourra constater comment on est bon. On croise nos doigts. Pour déguster ces vins en toute quiétude, il a fallu créer un écrin digne de leur rang. Le restaurant de la propriété, le terroir, propose une carte épurée aux épicuriens d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans notre jardin potager. Le principe de notre restaurant, c'est de mélanger une bonne nourriture avec du bon vin. Le vin et la nourriture s'accordent ensemble depuis des siècles. La spécificité de cet endroit, c'est que lorsque nous créons nos menus, tout tourne autour du vin, car le vin est notre produit phare. La cuisine est simple, les vins délicieux. Ce concept marche très très bien. Chaque jour, notre chef vient cueillir dans le jardin les salades, les tomates, les choux, les betteraves. Tous les légumes sont de saison. Ici, nous avons de la superbe oseille que nous cuisons avec du poisson du jour, le saumon par exemple. On fait une sauce qui convient parfaitement à ce poisson. Il y a tant de ressources naturelles dans ce pays, du poisson, tout ce que nous cultivons à proximité. Nous n'importons pas beaucoup de choses. Et on aime bien tirer profit de toutes ces richesses en ce moment. Comme vous le voyez, c'est le meilleur endroit au monde pour travailler, le meilleur bureau, je pourrais dire. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Dans quelques années, les kiwis vont sans doute briller dans un autre domaine, celui des vins du Nouveau Monde. Patience et persévérance pour accéder à l'excellence, telle est sans aucun doute leur devise. Aloha. Bonjour, Kale. Aloha. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous au milieu d'une forêt? C'est un lieu très spécial. C'est une forêt d'arbres de lave. On les appelle ainsi à cause de la lave qui a coulé du volcan ici au XVIIIe siècle. La lave a tout recouvert et les arbres ont pris feu. Les arbres ont brûlé, mais la lave les a fossilisés. Cette terre est chargée de lave, emplie de l'essence de Pélé. C'est qui Pélé? Pélé est notre déesse du volcan. Elle vit dans la caldeira du volcan Kilauea. Elles sont sacrées, ces pierres? Oui, elles sont sacrées, car elles représentent Pélé. Raphaël, j'aimerais vraiment te montrer à quoi ressemble l'âme des gens d'Hawaï. Et parmi les façons d'exprimer l'essence de qui nous sommes, il y a la danse hula. J'aimerais te présenter à mon amie, elle est professeure de danse. Elle enseigne le hula traditionnel. D'accord, ça tombe bien, j'adore danser. Hey, Luca, Honua.
Aloha. Aloha. On doit faire le bonjour hawaïen. Inspirez, puis soufflez ensemble. C'est beau, hein? Oui, très beau. On appelle ça le honi, c'est une coutume ancienne. C'est la première fois que je vois des gens danser le hula, et j'ai l'impression que c'est très sérieux. Chaque danse de hula raconte une histoire. C'est comme ça que l'on préserve notre histoire, celle de nos ancêtres, de nos rois et nos reines. Raphaël, ça te dit d'apprendre quelques bases de hula? Oui, avec plaisir. Alors le premier pas s'appelle le kaholo. Tu fais 4 pas vers la droite, puis 4 pas vers la gauche. Et tu mets les mains sur tes hanches. 1, 2, 3, 4. Très bien. 2, 3, 4. Excellent. Gauche et tu reviens. Garde bien tes genoux pliés. Ah oui, toujours. C'est super. Tu as envie d'essayer avec la musique? Oui, bien sûr. Tu peux le faire. Ouais, calé, ça te fait rigoler. Je suis fière de toi. Bend your knees. Kaholo. 4 pas vers la droite et 4 pas vers la gauche. Ka-o, pa, sway side to side. Good. Très bien. Step away, step away. This is the hardest step in. C'est le mouvement le plus difficile au hula. Ça revient à la mode d'apprendre les danses traditionnelles comme le hula. Le hula est vraiment devenu très populaire dans le monde entier. D'un point de vue personnel, apprendre le hula est très enrichissant. Pour ton cœur, pour ton âme, cela t'enseigne comment ressentir et vivre de manière aloha. Ça veut dire ne pas juger, accepter les gens tels qu'ils sont et bien les accueillir. C'est quelque chose que je sens en moi et qui me pousse à venir danser ici. Ça me rend heureux. Les îles d'Hawaï sont sorties de l'océan au fil des éruptions successives. Et sur Big Island, les signes de cette activité sont encore bien visibles. Par ici, on va pouvoir se rendre compte du type de fissure que ça provoque. Lors d'une coulée de lave, le magma arrive de l'intérieur du sol et il se met à jaillir. Et ensuite, ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Aujourd'hui, ces visiteurs s'approchent au plus près d'un des cratères du Kilauea. Un volcan dont l'éruption a débuté il y a 30 ans. Et ici, la force de la création est palpable. On va appeler le dieu du vent Kamakani. Il faudrait lui demander de se calmer un peu. Kilauea, c'est le volcan le plus actif au monde en ce moment. Fait que c'est très attirant, c'est très... On sent l'énergie, on sent la force du volcan, on sent la... Et aussi, c'est comme le début du monde, le début de la vie. Tu sais, c'est la chance de voir de la nouvelle Terre qui est créée. C'est... À Hawaï, la lave fait partie du paysage. Et cette terre toute neuve attire quelques pionniers. On a démarré la construction de la maison il y a juste un mois, 5 semaines environ. Ce n'est pas habituel comme terre. C'est presque de la pierre. Et c'est complètement chaotique tout autour. Joe et Tamle sont New-Yorkais. Ils viennent d'acquérir cette parcelle de terre pour 7 000 $, environ 6 200 euros. Il y a 30 ans, ici, un village a été enseveli sous une coulée de lave. Depuis, une vingtaine de téméraires s'y sont réimplantés. Et pour eux, mieux vaut être philosophe. La lave reviendra, c'est sûr. Probablement plusieurs fois au cours des siècles prochains, si jamais elle revient, alors que nous vivons ici.
À vrai dire, on ne le sait pas, mais il y a une petite chance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie du jeu. Le grand frisson, quelques habitants du quartier l'ont connu. Il y a 5 ans, Gary vivait ici. La lave est venue depuis là-bas. Elle est arrivée ici et a commencé à mettre le feu à la maison. J'avais une maison à 2 étages. La maison n'a mis qu'une heure à brûler. Les dernières années, avant ça, je passais tout mon temps tout près de la lave. À regarder et à prendre des photos de la coulée. Au final, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être témoin de tout ça. Pour Gary, la lave est une véritable addiction. À une 100 mètres de son ancienne propriété, il a érigé une maison toute neuve. Pour lui, l'herbe est plus verte sur les champs de lave. Et la vue y est imprenable. Je crois que beaucoup de gens pensent que je suis fou d'avoir construit ma maison ici, juste en dessous du volcan le plus actif du monde. Mais bon, c'est mon avis personnel. Mais je trouve que c'est un endroit très reposant pour vivre. Ici, on dit que Pelé, la déesse du volcan, a créé tout ça. C'est son art. C'est un magnifique assemblage de textures qui façonne le paysage ici. Comme les autres habitants du village, Gary espère vivre encore quelque temps sous la protection de Pélé. Jusqu'au réveil de la déesse du volcan. Good morning. Bonjour, Kali. En te voyant arriver, j'étais un tout petit peu surpris parce que je ne m'attendais pas à te voir habillée comme ça. Pourquoi tu portes cette robe ? C'est ma robe de cérémonie. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'emmener au volcan pour y pratiquer une cérémonie sacrée. On va honorer la déesse Pélé et ses ancêtres. D'accord. Avant d'aller au cratère du volcan, nous devons préparer les offrandes. C'est comme lorsque tu rends visite à quelqu'un, tu amènes un cadeau. Chacun de nous va préparer son cadeau pour Pelé et ses ancêtres. Alors, tu vas séparer la tige au milieu, comme ceci, jusqu'en bas. C'est bien d'avoir prévu un petit atelier en attendant que la pluie cesse. Tu te débrouilles bien. Ensuite, on prend la feuille et on la replie comme ça. Voilà, c'est prêt, c'est ton offrande. Il n'y a que toi qui puisses la toucher car elle contient tes prières secrètes. Et tu ne dois pas toucher la mienne. Chacun pour soi. Ici, tu te trouves face à la caldeira de Kilauea. Et là, c'est le cratère de Halemaumau. La fumée que tu vois, c'est celle de Pélé. C'est sa demeure. Quand je regarde ce paysage, je peux ressentir la terre. Je ressens la force de Pélé. Mmh.
On pratique pas le houla pendant ce genre de cérémonie. Non, not for me. Moi non. Si tu veux, je peux t'apprendre quelques pas. Ok. Like this. Ok, on plie bien les genoux. Regarde comme elle souffle davantage maintenant. Ah oui, il y a plus de fumée quand on danse. Ouais. Ça lui plaît. Ouais. Ok, one step way. One step way. One step way. Je te présente ma sœur Stéphanie et voici ma nièce Sharia. Mon neveu Marc-Edouard Lara et mon mari Lopaka. C'est notre Ohana. Ohana est un mot hawaïen qui signifie à la fois clan et solidarité. Notre langue nous aide à garder notre culture vivante. Et en tant qu'hawaïenne, je veux que mes enfants connaissent leurs racines. Car si tu ne connais pas tes racines, tu ne sais pas d'où tu viens et tu ne sais pas qui tu es. Ça y est, c'est la fin de mon voyage à Hawaï. J'ai vécu un très très beau voyage parce que toutes ces îles sont très différentes, mais elles ont un point commun. C'est ce fameux Aloha Spirit, cet esprit Aloha de générosité, d'amour, d'hospitalité. Alors bien sûr, j'en ai pris plein les yeux, mais j'en ai surtout pris plein le cœur. Moi, j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles échappées belles sous d'autres latitudes. Et puis, on va continuer à écouter un tout petit peu du ukulélé. I was out in my greenhouse, I was trimming the leaves off the buds of my pakalolo. The stupid tries some fish emotion and a dash of triple miracle grow. And then I heard that awful sound, like a helicopter cruising around. Stash the pakalolo, here come green harvest again. Stash the pakalolo, here come green harvest again.